Salut à toutes et à tous, c'est Arnuaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma critique de film sur Fast and Furious 7. Donc, un film que j'attendais avec impatience, et je pense que je n'étais pas le seul. Donc, dans cette vidéo, il y aura plusieurs choses. J'ai déjà plusieurs choses à dire dans cette vidéo. Normalement, je jouerai un gameplay Minecraft. Je m'en excuse. Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé sur quoi le faire. Mais bon, peu importe. Ma critique. Il y aura aussi deux parties dans cette vidéo. Spoil. Et une partie pas spoil. Inverse. Je vous dirai quand il y aura du spoil, je vous dirai quand il y aura pas spoil. Tout d'abord, je vais vous partager mes impressions. C'est un film à aller voir, à ne pas rater. C'est raison, moi j'ai trouvé ça un film très 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 original. Enfin, il ressemble à peu près à tous les autres films. Sauf que ça vaut le coup d'aller le voir. Si vous avez aimé les autres Fast and Furious, vous adorerez celui-là. Tu serais certain. Moi je sais que ça fait pas très très longtemps que je me suis mis au Fast and Furious. J'avais regardé un petit peu tous les Fast and Furious pendant une semaine. Et voilà, moi j'ai apprécié, j'ai voulu voir le set. Et voilà. Tardement mes impressions, j'ai pas de choses à dire de mal sur ce film. Parce que tout est bien, le réalisateur James Wan, je crois, je sais plus du tout. James Wan, un truc comme ça. Vous me corrigerez au pire. C'est beaucoup beaucoup surpassé dans ce film, il y a beaucoup de scènes d'action. Sérieusement, j'ai rien à dire au niveau de ce film. Il vaut le coup d'aller le voir. Il vaut vraiment le coup. Si jamais vous l'avez pas vu, allez le voir. Si vous aimez scènes d'action, plein de trucs comme ça. Ça vaut vraiment le coup. Donc dans ce film, on retrouve les acteurs principaux qui ont fait leur apparition dans tous les Fast and Furious. Donc Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Jason Statham qui fait sa toute première apparition dans le film. Ça fait très plaisir parce qu'il a un très bon rôle et il le joue extrêmement bien. Tous les acteurs jouent extrêmement bien leur rôle. Moi j'ai beaucoup apprécié. Il y a Jordan Poister, il y a Tyra Gibson, Ludacris je crois, Lucas Black, Ronda Rousey, tout ça. Enfin voilà, ça vaut le coup d'aller voir. Sérieusement, moi j'ai beaucoup apprécié. Il y a peut-être des moments où j'ai trouvé ça un petit peu trop poussé. Il y a des scènes d'action que je trouvais ça un petit peu trop poussé. Mais bon, dans l'ensemble, c'est très très bien. On va passer à la partie spoil. Donc je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé au niveau du film. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, quittez la vidéo pour pas vous faire spoil. À moins que vous voulez vous faire spoil, c'est comme vous voulez. Et voilà. Donc voilà, partie spoil. Donc on va commencer par ce que j'ai pas aimé. Moi, il y a un petit truc que j'ai. Je trouvais ça un petit peu trop poussé comme je vous l'ai dit avant. C'est qu'à un moment quand Vin Diesel saute, il y a plusieurs fois, il saute dans le vide avec sa voiture, je trouve ça un petit peu trop poussé parce qu'il n'y a personne qui peut survivre à une chute comme ça, enfin personne dans mon existence qui peut survivre à une chute comme ça. Voilà, je trouve ça un petit peu trop poussé qu'il arrive à sauter sans qu'il lui arrive à rien. Enfin, voilà, après c'est mes impressions. Sinon dans l'ensemble, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce film, il était excellent. Bon voilà, je pense que c'est fini pour ma critique de film. N'hésitez pas à aller le voir. Pour ceux qui sont restés, qui n'en ont pas qui sont restés, qui se sont fait spoil une partie du film. Voilà, je préfère pas trop en dire plus au niveau du film. Parce qu'il y a des gens qui veulent rester pour voir la suite. J'ai pas trop envie de spoil. Parce que j'ai trouvé. Enfin voilà, je trouve ça un petit peu con de spoil les gens qui ne l'ont pas vu. Bon voilà, je vous dis gros bisous les gens, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un like et à commenter pour savoir. Enfin, pour me dire ce que vous en avez pensé du film. Je lirai vos commentaires avec. Je lirai vos commentaires, je vous répondrai. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye tout le monde. Ciao!